piti. Elles sont mignonnes. Oui, non, avis de recherche. Je lance un avis de recherche, là, parce que comme je sais que mes vidéos sont vues des milliards de fois tous les jours, donc je me suis dit, bon, bah, Eric, mets tes compétences au service de... Voilà, de citoyenneté, quoi. Voilà, ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle. C'est un éleveur, propriétaire de 190 vaches. Hein. Bon, ben, il lui en manque 7. Elles ont disparu, il ne les retrouve pas. Donc, si vous habitez dans la région de Vaudigny, dans les communes environnantes, si vous voyez des vaches, 7 vaches isolées, toutes seules, sauvages, bah vous appelez la commune et puis... Non, j'en parle parce que j'étais dans la région juste au moment où c'est passé, ça s'est passé, j'étais là-bas. Mais le jour du vol ou de la disparition, moi j'étais en boîte. Donc, j'ai rencontré une nana... Quoi, c'est ma vie privée. Et alors, je dis ce que je veux. Si j'ai envie d'en parler, c'est ma caméra, c'est mon micro, c'est mes vidéos. Oui, non, une nana comme ça. Ouh, on a passé la nuit ensemble. Hein? Quoi, ça regarde personne. Je dis ce que je veux, je t'en... Alors, on met... Hein? Elle est un peu... Oui, j'aime bien les filles un peu rondes. Je trouve que ça leur donne du charme. Alors... Hein? Des taches blanches et noires sur le corps? Je sais pas, un petit problème d'allergie, de peau ou... Hein, c'est... Dermatologie, je sais. Hein? Les... Dis donc, Sylvie, c'est quoi? C'est...